Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Traffic Mania, je vais vous donner une astuce toute simple qui va vous permettre d'augmenter l'engagement qu'il y a avec votre liste. Alors qu'est-ce que c'est que l'engagement? Eh bien c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à définir, mais vous allez comprendre, c'est un truc que je répète très souvent, c'est ce fameux lien qui vous lie à votre audience et qui est absolument fondamental pour réussir à vendre. Il y a énormément de gens qui pensent que la vente tient dans des petits détails et des petites astuces. Par exemple, la couleur d'un bouton d'achat ou la formule que vous allez utiliser dans le bouton. Et ils pensent que le fait d'utiliser « commander tout de suite » ou « commander maintenant » ou « commander » va avoir une influence énorme sur le niveau des ventes. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Ce qui va influencer énormément le niveau de vos ventes, c'est le lien de confiance qui vous lie à votre audience. Et plus les gens vous apprécient, plus les gens se reconnaissent dans votre parcours, plus vous avez un échange au travers des commentaires, au travers de votre support, au travers de la qualité de vos contenus avec votre audience, plus c'est simple de vendre. À tel point qu'aujourd'hui, sur Traffic Mania, même si je fais une page de vente qui n'est pas forcément extraordinaire, j'arrive quand même à vendre des produits. Et même si je fais des produits qui sortent parfois de mon scope habituel, j'arrive quand même à les vendre. Par exemple, j'ai créé il y a 2 ou 3 mois une formation sur le développement personnel qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur Traffic Mania et j'en ai vendu plusieurs dizaines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un lien fort entre vous et moi qui s'est tissé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des articles et au fur et à mesure des vidéos. Et donc, il est absolument essentiel que vous arriviez à créer ce lien avec votre audience pour réussir à les convaincre d'acheter. C'est beaucoup plus important que de vous creuser la tête sur la couleur de vos boutons dans les pages de vente. Donc voici une petite méthode que vous pouvez utiliser. Elle marche que vous soyez youtubeur, blogueur, podcasteur. En fait, elle marche à partir du moment où vous avez une liste d'inscrits. À chaque fois que vous allez créer une nouvelle vidéo, un nouvel article ou un nouveau podcast, on est bien d'accord, vous allez envoyer un email à votre liste pour présenter votre nouveau contenu. Et donc l'idée ici, c'est de faire un contenu qui est en 2 parties. Par exemple, si vous vendez des formations Excel, eh bien vous allez créer un article sur la recherche verticale dans Excel. Voilà, donc c'est une formule qu'on utilise dans ce tableur. Et vous allez faire une vidéo 1 et une vidéo 2 sur le sujet. Ou alors un article 1 et un article 2. Voilà, vous prenez un sujet un peu copieux et au lieu de faire un énorme contenu, vous faites 2 contenus de taille moyenne. Donc si vous avez par exemple un blog sur le référencement, vous allez faire un article sur les principaux critères de référencement de Google, partie 1 et puis ensuite partie 2. Donc vous allez d'abord rédiger votre premier contenu, on va l'appeler C1, votre premier contenu, qu'il soit vidéo, écrit ou podcast. Et surtout, à la fin, vous allez faire un CTA très fort pour que les gens commentent. Donc, je reprends mon exemple. Vous faites votre article sur les paramètres référencement de Google. Et donc, vous listez 10 paramètres. Voilà, alors je sais pas, moi, le taux de rebond, la vitesse du site, blablabla. Et à la fin de l'article, vous allez dire aux gens, voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce qu'il y a des sujets dont vous voudriez que je parle? Qu'est-ce que vous pensez de cet article? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Bref, vous allez fortement inciter les gens à commenter, 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 commenter. Ok? Ok? Et donc là, bah, vous allez avoir des commentaires. Vous allez avoir le commentaire de Lisa qui va vous dire, est-ce que tu peux parler, je sais pas moi, est-ce que tu peux parler des balises? Tag. Vous allez avoir un commentaire de Paul qui va vous dire « Ouais, c'est vraiment excellent, merci beaucoup », etc., etc. Vous allez avoir plein de commentaires. Et donc, l'idée, lorsque vous allez envoyer le mail pour le contenu numéro 2, donc là, vous avez envoyé votre email pour le contenu numéro 1, les gens ont laissé des commentaires, et bien vous allez réintégrer les commentaires, les témoignages dans l'email numéro 2. Et ça, c'est un super moyen de créer du lien. Et vous pouvez, par exemple, l'appeler « merci ». Merci. Et vous allez dire « voilà, hier ou il y a 2 jours, j'ai publié un premier contenu sur le référencement Google et je vous ai expliqué les principaux paramètres du référencement Google. Et un grand merci parce que vous avez été très nombreux à me laisser un commentaire. On a Lisa qui a écrit « ouvrez les guillemets, nanana nanana ». On a Paul qui a écrit « ouvrez les guillemets, nanana nanana ».
Et vous en mettez un troisième. Et on a Sophie qui nous a dit, ouvrez les guillemets, patati patata. OK ? Merci à vous. Et puisque vous en voulez encore, eh bien, je vous ai préparé la suite. La suite de cet article. Et tac, vous mettez votre lien. Vous mettez votre lien. Ça, dans le corps de l'email, c'est hyper puissant. Parce que vous allez montrer à l'ensemble de votre liste que les gens interagissent, que les gens vous apprécient et que vous le voyez. Et que vous le voyez, c'est surtout ça qui est super intéressant. Le fait de montrer aux gens que vous remarquez leurs commentaires et de le dire dans les emails, ça crée énormément de liens. Ça vous rend un peu plus proche. Ça crée une espèce de relation, de lien entre vous et votre audience. Et ça concourt à créer cette relation qui aboutit sur la vente. Donc je récapitule, cette stratégie elle est très simple. Vous prenez un gros sujet, vous le coupez en deux articles. Dans le premier article, vous appelez les gens à témoigner. Et dans l'email que vous allez envoyer pour le second article, vous citez les témoignages en mettant les prénoms. Voilà, je vous invite vraiment à utiliser cette stratégie pour créer de l'engagement avec votre audience. N'oubliez pas, pour avoir d'autres contenus de ce genre, de vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Non seulement vous recevrez une formation trafic, mais en plus de ça, vous recevrez des astuces exclusives par email. Voilà, excellente journée à tous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !